série de Jack Frost, Alter Farm, qui est un peu dépassé, etc. Branché plus. D'accord. Donc lui, il va juste nous servir comme ça, et moi, je vais essayer de travailler différentes techniques. Donc on va le faire en plusieurs fois. Vous avez technique de base, vous avez ça, le palier de base. D'accord. C'est vraiment la base de la base. Ensuite, je peux également passer à l'intérieur. Donc extérieur, extérieur, intérieur, intérieur. D'accord, vous voyez, c'est vidé avec une seule main. Ici. D'ailleurs, je vais juste passe. On va commencer par un début. D'accord. Vous me faites juste ça. Okay. Donc, on va avoir effectivement les parries. On va également avoir shoulder hook, justement, on va parler. Ici. Donc, comme il est, ah, c'est ça, c'est tout se protège. Donc, je peux décaler la tête d'un côté. Il n'est pas obligé de me viser là. Voilà. Je suis, je peux. Voilà, j'ai juste Bob. Voilà, shoulder hook. Voilà. Ici, extérieur, intérieur, bam, 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 bam. Hop, d'un côté, hop, hop, de l'autre côté. Ça, shoulder hook, voilà. Ok, ensuite, j'ai une coupe. Voilà. Respire. Détends. Voilà. Ici, Wunting. Extérieur. Voilà, Wunting. Intérieur. On recommence. Parry extérieur, parry intérieur. Bob. Bob. Bob and Bob. Bob and Bob. Wunting. Wunting. Wunting revers. Donc, ça c'est le truc de base pour moi. Sur le Jack Cross. Ah oui, d'accord, c'est lui qui est gueulant. C'est moins drôle. En fait, l'objectif, vous voyez, de la même manière que je faisais ce genre de choses, c'est pour avoir un certain nombre de protections. Là, normalement, voilà, ici, ça je vais sur ça. La nuance, si vous faites du sparring et qu'un mec a des gants, oui, ça va pas bien marcher, on est d'accord. Mais à un homme, ça marche plutôt pas mal. D'accord. Et c'est, en fait, c'est à peine une extension du parry de base. C'est-à-dire que quand je suis juste sur les parries, je suis juste là. Là, j'ai juste à faire, waouh, mais non, je ne vais pas me prendre deux pas. D'accord. Donc, toujours avec parry intérieur, machin, tout ça. Je peux aussi le rater. C'est-à-dire qu'au lieu de venir directement ici, je vais faire juste parry cover. En règle générale, ce genre de choses me permet de rentrer derrière. Donc c'est pas le truc qui est forcément décisif. Mon objectif, c'est pas juste de faire un palcoeur. À l'arrière, vous voyez, c'est juste de le défricter pour que son point il dégage hors de la ligne d'attaque. Je peux le faire ici, évidemment. Enfin, c'est pareil. Soit je suis sur le point, soit je suis à l'extérieur, soit je suis à l'intérieur. À l'intérieur, c'est quasiment comme quand tout à l'heure vous êtes bounting intérieur. C'est plutôt l'autre point. C'est un peu visible, celui-là. C'est un peu, c'est le même mouvement qu'ici, sauf qu'en fait, j'ai pas le temps d'allonger jusque-là et juste je me protège. D'accord ? Donc encore, donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, donc là, alors, ça c'est les trucs, c'est pareil, c'est pas les trucs ultimes, on va pas se mentir, mais c'est quand même vachement lourd. C'est vachement lourd, j'ai pas manqué, ça fait super, ça juste là. Voilà, vous voyez, c'est avec cette partie des doigts où je vais dire, ça peut même se faire sans parade, c'est juste, oh là, t'en fous. Voilà, j'ai juste voulu gagner de la distance et j'ai laissé traîner ma main, d'accord. Je peux même venir frapper des fois devant, mais pour ça, il faut que. Il ne soit pas en extension. S'il est en extension, c'est trop tard, c'est moi qui vais me le prendre, d'accord. Mais si j'arrive à le prendre assez tôt, et bah, j'ai une frappe sur sa fin. Ça m'entend. D'accord. Mais bon, ça c'est les trucs fun, c'est. C'est pas qu'on va sortir facilement, mais c'est rigolo. Là, le truc plus important, c'est vraiment ça. Parce que ça, c'est ce qui vous permet, voilà, d'éviter de vous en prendre trop dans la tête. Et en plus, vous en mettez au passage. Donc là, vous avez la version, je vais vers l'avant comme ça. Je peux aussi des fois, vous avez vu, c'est-à-dire que j'en ai fait un et puis j'ai pas eu le temps de ranger mon coude. Ben, c'est pas grave. Ça marche bien aussi, d'accord. Donc vers l'avant, vers le haut. Alors après, je
je vais faire comme ça, 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 d'accord. Après, il y en a même qui vont le faire avec les coudes de l'autre côté. Pas de coudes de retour. Si, là, là j'aime pas. Alors là, par contre, je vous le déconseille, même si ça se fait aussi, vous verrez les vidéos, vous verrez. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un trou ici, donc il y a plus de chances que ça passe. Là, l'intérêt de le faire ici, c'est qu'en fait, en règle générale, le bras, vous allez le faire passer de ce côté-ci. Donc, il y a d'autres chances que vous preniez quelque chose et que ça, il y a des chances que ça vous donne des temps pour rentrer. D'accord? Donc, encore une fois, je fais ici, ici, voilà, cover. Over.